Bonjour à tous, on se retrouve ici près de Charleroi en Belgique pour une petite session de pêche à l'aimant et on va voir ce que la Sambre nous réserve. Voilà, ça fait un petit quart d'heure que je suis là. Je viens de remonter une barre de fer. Je viens de remonter ceci qui pourra éventuellement me servir à ramener mes trouvailles. Une autre barre de fer et ceci, je ne sais pas ce que c'est, j'ai eu un peu peur que ce soit un obus. En tout cas, si c'est un obus, il ne reste plus que le cul. Et bon, ça fait toujours un peu peur quand on remonte un truc qui ressemble à un obus. Alors ça fait une demi-heure que je suis là, j'ai bien cru que mon aimant allait rester collé au fond parce qu'il était, je sais pas s'il était pris entre des rochers ou pris sur le toit d'une voiture ou que sais-je, mais j'ai eu beaucoup de mal à le retirer de l'eau. Bon, là j'ai pris entre temps des saloperies, une attache pour attacher une barre de fer, une chaîne de vélo qui devait être là depuis très longtemps, un bout de ferraille, un méga gros crochet et ce qui ressemble à un cosse de batterie. Et nous avons toujours ce supposé obus ou pièce de moteur, je ne sais pas, mais voilà. Alors je viens de remonter un sac avec des pierres dedans. C'est même pas que c'est aimanté, c'est juste que j'ai accroché la lanière avec ma merde, putain. Oh, fait chier. Oh putain. Oh bordel. Bon, je l'enlèverai après. Voilà. J'ai eu peur de l'ouvrir limite parce que je me suis dit waouh, un sac avec des pierres dedans, qu'est-ce qui peut, pourquoi est-ce qu'on mettrait des pierres dans un sac si ce n'est pour cacher quelque chose au fond de l'eau, mais non, ça va, il y avait juste des cailloux dedans. Bon, maintenant je vais essayer de récupérer mon aimant. Money, un petit centime. Oh, il est récent, c'est le roi Philippe. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, j'ai trouvé un truc qui ressemble à une petite hache en bronze. Quoique, je sais même pas si le bronze c'est ferromagnétique. Je suis un peu inculte à ce niveau-là. Voilà. Ah, encore des barres de fer. Et voilà. Et un petit panier à roulettes qu'on voit ici. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'en aller. Voilà, rentré chez moi. Voilà, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est le genre de truc qu'on peut remonter avec la pêche à l'aimant. Une pince, un outil, pour un usage quelconque, une clé avec une douille, certainement pour des boulons, un crochet quelconque, un marteau, deux marteaux, trois marteaux, une truelle, des élastiques, un piquet de pêche et toutes sortes de joyeuses saloperies qui ne servent à rien. Une grosse plaque en métal, une grosse grille très très lourde, des barres de fer avec lesquelles on peut tout faire. Et voilà. Et un penny. Et oui, c'est un penny. Un tout petit penny. Comme certains ont. Et encore une barre de fer. Une grande barre de fer.